Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le deuxième épisode des ABC du beatmaking. Et donc, on va se réécouter le petit beat qu'on avait fait à l'épisode 1. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait en utilisant la MPC en mode esclave. Et là, j'ai trouvé un petit sample de musique orientale qu'on va essayer d'intégrer sur notre beat. Alors, on s'écoute ça. Donc voilà. Donc ça, je vais le découper en 16 parties. Enfin, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Donc je l'ai découpé en 16 parties et c'est ce qu'on va aller écouter tout de suite. Donc je reviens dans le main mode où là on a la représentation des 16 pads et donc une fois découpé, ça donne ça. On va le faire un peu plus en rythme. Si on lance le beat, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. La mélodie la plus adéquate pour notre petit beat. Donc moi j'avais déjà réfléchi à quelque chose, hein, bien entendu. Donc je vais vous le jouer et ensuite on va se l'enregistrer. Donc on va s'enregistrer le petit sample avec la première phrase. On va s'en enregistrer une petite deuxième. Deuxième boucle. Donc l'idéal serait d'en trouver une troisième. Donc pour la troisième séquence, on va se faire un délire un peu comme ça. Ça sonne pas trop mal toutes ces petites choses-là. Donc là, ce qu'on va faire. Merde, je vais rassembler voilà, toutes mes pistes.
il y a ça aussi. Ça aussi. Ah, sur la 8, il n'y a rien. Mais bon, bref. Je vais copier tout ça. S'écouter un peu ce que ça donne dans ce dans le petit délire. Voyons voir ça. Prochain épisode, on va continuer d'améliorer tout ça et ensuite on va passer plus ou moins à un pré-mixage histoire d'améliorer la qualité de toute cette petite composition. Donc voilà pour ce deuxième épisode. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et puis n'hésitez pas à liker. Allez, au revoir.